Je suis maintenant dans la prairie qui est apparemment en destination des îles Lofoten. Enfin Bergen, je vais pouvoir rentrer chez moi et comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi t'es là dans mon appart? J'habite ici. Mais non, c'est moi qui habite ici. Oh non, c'est pas ça, c'est pas ça. Allez, sortez chez moi là. Mais c'est toutes les affaires. Il n'y a pas d'affaires, il n'y a jamais eu d'affaires ici. Allez, maintenant, je sais pas ce que tu as fait, tu rentres comme ça chez moi et tu m'agresses. Non, moi je suis désolé. Bon, ça va pas. Ben, ouvre-moi.
je suis arrivé à Vos et c'est un peu stressant parce que j'ai l'impression qu'il y a Ben qui me suit partout et qui m'observe partout où je vais. J'ai cette sensation pas nette d'être observé à longueur de temps. Mais pour être derrière moi, je sais pas. En ce moment à Vos, c'est le festival des sports extrêmes. Et il y a plein de gens qui font du parapente. Et il y a des concerts et plein de gens. C'est du lac, c'est sympa. Salut Ben! Mais tu me suis partout, c'est pas possible. Ah, on doit faire une randonnée ensemble. Regarde, j'ai trouvé une tente. Mais je sais que tu me fais un peu flipper quand même. Je te rappelle que t'as voulu faire exploser ma maison. D'ailleurs, tu l'as fait. Ah, mais on s'occupe pas du passé. Tu sais, c'est pas en train de l'enfance, ça. Ouais. Bah, en France. On rentre en France. Alors, Bah, c'est qui t'arrive? Je pense qu'il est pas loin. Il passe par là. Je me suis réconcilié avec Ben parce qu'il m'a offert à manger. C'était très bon et ben maintenant je pense qu'on va voyager ensemble. Parce que maintenant je ne peux plus retourner à Bergen et il faut que je retourne en France à un moment donné. Je ne sais toujours pas pourquoi j'ai été transporté sur les îles Lofoten. Mais je compte bien le découvrir. Donc ça a mis ça de plus à résoudre. Hey hey! Hey hey, salut! Donc là on a fait un feu. Dans la forêt. Ouais, Enfin, c'est moi qui ai fait le feu parce que Benjamin il a pas réussi. bon, ça va, j'ai pas vraiment essayé avec. Donc là maintenant on va se manger des saucisses Ouais. et des Des marshmallows. marshmallows fourrés au chocolat. Et c'est vraiment sympa ici parce que là on est genre juste à côté d'un lac, on a une Moi je plage. commence. Vas-y, commence. C'est vraiment sympa. Un peu trop grand mon bâton. Oui, alors c'est des petites saucisses. Mais au moins tu peux cuire deux saucisses en même temps. C'est sympa. C'est cool, hein. On est bien là, c'est la belle vie. C'est les vacances! Coucou, c'est Ben. On ne voit pas très bien. Bah, je vous fais un petit coucou avant d'aller me coucher. Ben dort déjà. C'est histoire de vous montrer la nuit en Norvège. La nuit qui, comme vous pouvez le voir,
n'existe pas. Là, il est 1h du matin. On croirait qu'il est 21h30. Bon, c'est assez perturbant. J'ai eu du mal à réaliser avant d'aller, qu'il fallait que j'aille me coucher. Donc, mais bon, on va avoir peut-être une heure ou deux, dans une heure ou deux d'ailleurs, de nuit. Mais bon, c'est quand même sympa. C'est joli. Bon, allez, bonne nuit. Donc avec Ben, nous sommes à Finsey, l'endroit le plus haut du monde. Non, le monde c'est... norvégien. Non, même pas, parce que le plus haut en Norvège, c'est Galdhøpiggen, et c'est 2800 mètres, je crois. Voilà, on est à 1222. 1222 mètres. Et il n'y a rien, on va quelques maisons. Donc bon, pour vous dire, là on est en banlieue, parce que on va, le centre du village... il est là-bas. Regardez, deux délinquantes qui jouent dans la neige. Ouais. C'est louche. Now we are trying to go to this glacier over there. Below is. Non, Ben, que fais-tu? Tu vas provoquer une avalanche. Non! Things my own way. What do you mean by that? How I remembered them. Not necessarily the way they had.